Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour une vidéo de Forge Magie. Alors, c'est encore mon ami de Vaupion, hein, avec qui je fais beaucoup de FM. Il a deux PA à briser sur du 4 feuilles. Alors, on s'est pas concerté sur ce que je devais faire avec, mais je le connais un petit peu et je vois qu'il m'a mis des runes res feu et des runes res eau. Donc, à mon avis, on va faire un exo res feu et un autre exo res eau. Bon, on est parti, hein, sans plus attendre. Il va falloir faire tomber le PA assez vite. Est-ce que je mets les dommages? Non, je vais les laisser comme ça. Ce serait bien que ça tombe rapidement et que ça me casse pas trop la tête. Allez, c'est parti. Ok, plus 5, ça commence pas très très bien, malheureusement. Je vais essayer de laisser ça assez élevé. Ok, direct. Ok, c'est pas mal, c'est tombé quand même relativement vite. On a un jet qui est encore très propre. Donc là, on a plus 85. Voilà, donc normalement, hein, je me suis pas trompé sur 3 lignes depuis, ce serait un peu con. Mais là, on a un truc vraiment correct. Hop, 92 depuis. 92 depuis. Alors, je vais commencer par remonter la fuite qui est en sous-jet. Hop, voilà, nickel comme ça. Et là, il va falloir que je parte en over puissance, parce que j'imagine, hein, je vais lui demander, mais... plus 1 puissance, j'ai oublié. Pas grave. J'imagine que qu'il veut que je monte à 30. Parce que il est très exigeant sur les jets, il veut du perf. Donc on va y aller en 30 puissance. C'est absolument pas un problème. Alors là, j'ai moins 6. On va devoir monter à 32 et repasser à 30. Je vais attendre sa réponse quand même dans le doute, hein, pour ne pas lui foirer son truc des fois que 29 ça lui convienne. Mais le connaissant, j'imagine qu'il va vouloir les 30. Alors j'attends sa réponse, j'espère qu'il va répondre assez vite. Auquel cas, donc on passera à 32 et on aura 2 de puissance à faire tomber, qu'on enlèvera avec une rune fuite. Donc rune fuite qui pèse 4 depuis, et donc qui fera tomber 2 fois 2, 4 de puissance, donc ce sera parfait. Bon. Je prends ça pour un 8, de toute façon je le connais, et je sais ce qu'il veut, donc on va y aller comme ça. En espérant que ça passe assez vite. Ok, nickel, moins 12. Et donc là, je vais pouvoir balancer la fuite qui va venir remettre la puissance à 32. Sur celle-là, je suis quasi sûr que ça va le faire. Ok, à 30, pardon. Voilà, donc on est à 30, on n'a pas perdu de puits. Là, on a 2 crits sur la fuite, donc pas mal du tout. Moins 4 pour la suivante, ça nous laisse 70 de puits. Ça se passe vraiment bien là. Je vais déterminer par le dommage distance. Hop, là on a des grosses runes à passer, ça peut bouffer beaucoup de puits, hein. J'espère que ça va aller. Donc là 50 de puits et tout se joue sur ça et ça passe en une rune, bon bah voilà, c'est pas en crit, ça nous laisse tout de même 35 de puits, on va y aller en feu je pense, hein. Hop, donc ça me laisse 5 tentatives, bon je vais y aller comme ça, hop, et il nous restera 5 de puits à la fin, donc c'est un peu dommage mais je peux pas vraiment l'utiliser de notre manière. Je pourrais chercher du crit sur une rune ini. Histoire d'essayer de gagner 1. Allez, je vais faire comme ça, on va vraiment faire les choses rigoureusement. Et non, moins 1. Donc là, je peux tenter à nouveau un crit sur une plus 2 depuis, hein, une ré-R qui nous montrait à 36 également, mais non. Moins 2, donc là on est à 32, et là c'est mort, hein. Clairement, il faudrait. Bon, c'est impossible qu'on fasse double crit d'affilée sur la ré-R pour remonter à 36 depuis. Donc on va y aller sur 5 tentatives comme ça. Hop. Allez. J'aimerais bien qu'il y en ait au moins une qui passe, 2 ce serait incroyable, mais bon, on va pas trop rêver non plus. Bah c'est propre, c'est quand même plutôt propre, dommage qu'on n'ait pas eu les 2%, mais et 2-1. Hop. Allez, en espérant qu'on chope un 2% sur le deuxième éventuellement, ce serait sympa. Ouh, on a vraiment un très joli jet là, très joli jet de base. Je vais y aller commencer par une papuie, étant donné que si ça crit, on aura un jet très bon jet avec juste un tweet en moins, mais en PA sur du 4 feuilles ça pourrait être très utile. Allez hop, on va tenter ça. Alors, plus 9 pour la première, hop, je vais laisser comme ça à nouveau, moins 6, ok, c'est pas trop trop mal, là on perd 2, moins 2, oui c'est ça, ce qui nous laisse 1 de puits, 1 de puits, je vais remonter la fuite à 11, ah, dommage, bon c'est pas mal, parce que là ça va me permettre d'aller chercher le 30 de puissance, je vais mettre la dopaire en espérant que ça fasse tomber le PA peut-être. Comme tout à l'heure, non, ça n'a pas été le cas. Là, on a 18, 18, 22, moins 15, ce qui nous fait plus 7. Plus 7 de puits. Ok, j'espère vraiment que le PA va tomber vite. Hein. Moins 4, normalement j'ai encore 4, voilà, parfait. Je m'étais pas trompé dans le puits. C'est nickel. Hop. Alors là, on a 10, plus 4, 14, moins 6, ça nous fait 8 de puits. Donc à nouveau, je vais avoir deux tentatives sur la fuite. Une et deux, et je retombe à nouveau à 0 de puits. Alors, les crits. Les crits qui posent problème, là, pas de modification du puits, là on récupère 5.
Et le PA qui tombe là-dessus, plus 85. Ok, on a 90 de puits, il va falloir remonter ça. Hein. Clairement, donc là à nouveau, je suis parti sur la puissance comme un bourrin, vous le voyez. Ok, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 6, ce qui nous fait moins 30 pour la puissance. Ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, mais bon, je sais qu'il veut du 30, donc je lui fais. Si ça avait été mon item, j'aurais laissé à 29, moi ça m'aurait pas dérangé. Bon, c'est pas grave. On perd la puissance. Et on arrive à la fuite max, c'est parfait. 56 de puits. Bon, on aura peut-être une tenta similaire à celle de tout à l'heure. Tout va dépendre du pourcentage distance. Là, si ça crit, on a un truc vraiment sympa. Autrement, eh bien, on fera 100. Ok, bon, au moins ça passe. Ça pourrait être pire. Eh bien, ça nous laisse exactement 50 tentas comme tout à l'heure. Même nombre de tentatives sur les résistances. 5 tentas. Allez, c'est parti. Oh! Le petit crit. Le petit crit qui met bien. Yes! 2%. Allez, il nous reste une tenta. Je vais y croire avec lui. Il nous reste une tenta. Si on a un petit pourcent qui passe, là, ça nous fait un 3%. Et dommage. Dommage, mais magnifique 2%. J'ai parfait. Très bel item hein, qui va pouvoir vendre. Il me semble qu'il les vend 55 millions. C'est léger comme ça. Je sais pas, il en a combien à force. On en fait souvent, mais. Bon, ben voilà, ça s'est plutôt bien passé cette session de FM. Bon, rien d'incroyable, mais quand même, là, les 2% sur 5 tentas avec le petit crit qui m'a fait plaisir. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon, ben voilà, je vais pas m'attarder davantage sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Apparemment, lui, il est content du résultat. Je le comprends. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Et je vais même vous montrer la petite mode que j'ai déverrouillée là. Hop! Boum! Voilà, petit alignement sang. Donc, vous l'avez compris, il y aura bientôt des combats de quêtes qui vont arriver en vidéo. Je vais vous faire tout ça dès que j'ai un petit peu de temps. Allez, bonne soirée tout le monde. Bon, ne partez pas, en fait la vidéo n'est pas terminée. Juste après qu'on ait fini les deux premiers boucliers, il m'a MP pour me dire qu'il venait de passer un PA sur Illizael. Donc ce mec est une vraie machine à passer des PA. Aucun souci là-dessus. Ah, il manque aussi les dommages mêlés. Bon, c'est pas grave, je vais prendre les miennes, j'espère que j'en aurai assez pour le FM. Et bah on est parti. Alors, on va donc faire du pourcent R et il me demande d'utiliser les miennes parce qu'il a oublié de prendre les siennes. D'accord. Alors, j'espère que ça va bien tomber. Ce bouclier est en plus très utile hein, en PVP. C'est clairement un super, super item. Alors là, on a déjà moins 6. Hop, ça nous laisse 6. Je vais mettre des pourcents de res. Ok. Donc 0 depuis. Pour l'instant, on a sacrément bien remonté les choses. Enfin, du moins, si on arrive à récupérer le dommage mêlé en crit. Et le PA qui tombe directement. C'était sur une esquive PM. Hein. Pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Ça nous fait 93 depuis. 93 depuis. Mais on a 2% de dommages mêlés à repasser. Je vais lui demander. 647 vitesse, ça lui va. Moi, je pense que oui, hein. Concrètement, on aura beaucoup de mal à avoir mieux que ça. Étant donné que 1 de puits, c'est 5 de vitalité. Donc, on ne peut pas vraiment jouer sur un mieux que ça au niveau des coefficients. Ok. Allez, il faut que ça passe ça. C'est pas trop mal. Moins 15. Moins 15 pour le premier. Je vais ensuite passer les résistances. Oh, ok, un crit, génial. Esquive PM. Allez, moins 14, c'est pas trop mal, on s'en tire à peu près bien. Et là, les dommages mêlés, il faut vraiment qu'elle passe là. Yes! Yes, yes, yes. 49, ça nous laisse. Je vais prendre les miennes, du coup, j'ai dit. Ça nous laisse 6 x 8, 48, donc 8 tentatives résistance R. Et bah là, si on a un 3 ou 4% comme il dit qui sort, c'est génial. Allez, on y croit? Ok, déjà le 1% qui passe, aucun problème. Sans pression, donc ça nous laissera une tentative supplémentaire à la fin. Allez, au moins un deuxième là, ce serait bien. Oh, dommage. Dommage, dommage. Il est pas en groupe avec moi. Quel dommage, on avait une magnifique tentative là, qui est qu'un seul pourcent, et on peut en choper encore un. Allez, j'y crois. Et non, c'est triste. Du coup, 9 runes qui auraient été passées pour en avoir qu'un. Bah, c'est un petit peu triste. C'est un petit peu triste. Bon, bah voilà. En tout cas, on a eu de la chance sur le PA qui est tombé très facilement et qui nous a laissé pas mal de puits. Mais moins de chance ensuite sur les raids. Vraiment dommage. Il est un petit peu deg là. Je le comprends. Je le comprends. Bon, moi, je dis go PM là-dessus. Hein. Go PM, vu qu'apparemment le mec passe un PA toutes les 5 minutes, pourquoi ne pas tenter un PM? Je vais même bien lui payer ma rune PM. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il dit oui? Non, 23 millions, apparemment, il pourra le vendre. Il connaît bien ses prix, il en vend beaucoup des boucliers. Ok, on va donc rester là, pas de PM. Et bah, c'était pas mal, plutôt efficace, hein. Vite fait, bien fait ce FM.
Bon bah alors cette fois-ci la vidéo se termine vraiment, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas vous pouvez partager, liker et vous abonner, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à bientôt. Vous y avez cru, moi aussi, mais non c'est toujours pas fini, mais ce mec c'est un délire, hein. Il a encore passé un PA, tout ça c'est à chaque fois des intervalles de 5 minutes, hein. Juste le temps que je fasse mon... J'étais en train de faire le montage en fait et j'allais mettre la vidéo en ligne et il me dit allez hop, encore un PA qui est passé, donc là bah, il arrête pas quoi, bon on est parti, un quatrième brisage PA, on est à nouveau sur un bouclier d'Illisael, mais là le G est très faible. Ah bah j'espère que ça va passer. Je dois remonter les dommages mêlés qui sont très bas. Ça commence pas très bien. Pas très bien. Là, on a 21 moins 15. Hop. Ok, les esquives PM sont merdiques. Il faut que je les remonte. Je vais tenter un plus 3 en espérant que ça passe. Ouh, ça pique. Ça pique. Ok, on a moins 21 plus 0,8 plus 6 plus 15. Ok. Ça nous fait 6,8 depuis, et là on a un G qui est vraiment immonde. Hein. Concrètement, oh là 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 là, ça passe très mal. Ça passe très mal. Bon, bah, je crois qu'on va finir sur un truc merdique. À nouveau très mal, et bah décidément. Très très peu de chance là. Ok, une esquive PM, ça remonte un petit peu, c'est pas fou. Là on a moins 1. Et le PA qui tombe, c'est pas vraiment le bon moment, hein, malheureusement. Plus 93, on a 94,8 de fuite. Malheureusement, là, avec ce qu'il y a sur l'item, ça va être très très complexe. Bon, bah allez, on est parti pour tenter quand même. Je vais essayer de remonter à peu près tout en même temps. Moins 18 là-dessus. Hop. Les esquives PM, je vais les remettre à 7. Ok, moins 7, moins 6, moins 12, moins 19. On a déjà plus que 42 de puits. Je suis même pas sûr qu'on va réussir à remettre l'item. Item sur un G parfait, hein, on va tester. Allez, on y croit. Ah, avec un peu de chance, hein, si on a des crits sur les dommages mêlés, ça peut le faire, mais... Ok, là, c'est pas trop trop mal. 143 vita, on va avoir du mal à aller choper mieux. Malheureusement, c'est très moche. Hein. C'est très moche. On partira peut-être du coup en over vita s'il nous reste un tout petit peu de puits, mais... Allez, il nous faut des crits là-dessus. Ok, ouais, c'est mort. C'est mort. Voilà. Bon alors, j'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir terminer ma vidéo et qu'il va pas m'appeler encore dans 2 minutes. Alors, troisième tentative de fin de la vidéo, si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Bon bah c'est un vrai délire, il en a encore passé un. En vrai j'arriverai jamais à terminer la vidéo parce qu'à chaque fois que je stoppe le record, il me MP 2 secondes après, il dit qu'il a repassé un PA. Donc il vient encore de repasser un PA, alors j'imagine que c'est le bouclier qu'on vient de foirer là. Bon bah allez c'est parti, cinquième, je pense que je vais même plus faire de conclusion à la vidéo. Oh bah d'accord, direct, 85, parce que de toute façon apparemment ça ne s'arrête jamais. Ok, bon bah tant pis, j'espère vraiment qu'on aura un gros G sur ce dernier, enfin ce dernier qui ne sera peut-être pas le dernier, du coup je ne sais pas, je ne me prononce plus. C'est parti pour essayer de remonter ça. Ok, la vitalité va donner un truc très propre, là c'est nickel, moins 3. On a les 149, je vais tenter les deux paires mêlées, de remonter avec 14, oh ça se passe extrêmement bien cette tentative dis donc. Oh là 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 là, on va avoir un gros G là. On va avoir un très gros G, moins 12, allez, plus que dommages mêlés ici, et moins 30, ok, ça nous laisse 30 tentatives. 30 tentatives, est-ce que je tente un crit sur une rune qui pèse 3? Est-ce que j'ai une rune qui pèse 3 déjà? J'ai pas... c'est bien de la... Putain, on voit pas le truc. Là, je vois pas, ok, c'est bien une painée, on est d'accord. Si je me suis pas trompé, j'ai bien 33, je pense que oui, je vais recompter, tiens, dans le doute, histoire d'être sûr, parce que je suis allé un peu vite. Alors, on avait 85, on a ensuite moins 7, je vais y aller au pad, ok. Moins 7, moins 3... On a ensuite moins 12 et moins 30. Et ça nous laisse 33. Ok, donc je peux tenter une comme ça. Et ça ne passe pas. Moins 3, voilà. Si j'avais écrit, j'aurais eu 36. Ce qui m'aurait permis de faire 6 tentatives de reste. Donc on est parti pour 5. Allez, hop. C'est parti. 149 vita, c'est extrêmement propre. Hein. Moi, j'espère pour lui qu'il y aura au moins 1% qui va passer. Et malheureusement, aucun. Aucun. Bon, alors là, vu comme il est parti, je pense qu'on peut tenter un PA. Voilà, j'ai même pas besoin de lui demander, vous voyez. Étant donné qu'apparemment elle a une chance de fou sur les PA, et en vrai je voyais déjà la petite ligne verte, ça nous l'a déjà fait, hein. Ah oui d'accord, il veut qu'on enchaîne, mais en fait bon, cette vidéo ne s'arrêtera jamais, hein. Je vous préviens tout de suite, installez-vous bien, parce que a priori on est sur du non-stop là. Bon très bien, si on en passe une en 23 runes là, je délire complètement. Enfin. Dommage que ce ne soit pas passé sur le GPF, hein, ça aurait fait un item complètement monstrueux, hein, sur du 149 vita, le reste perf. Avec un PA sur ce genre de bouclier très très utile qui rentre dans beaucoup de stuff, ça aurait été dingue.
Ça aurait été dingue. Bon, je vais essayer quand même de ne pas passer les trucs trop vite parce que ça m'est déjà arrivé pour un client de remettre une norme alors que le PA était passé. Et autant vous dire qu'il n'était pas content. Il faut faire gaffe quand même. Ce genre de tâche un petit peu abrutissante où on fait toujours la même chose, au bout d'un moment, on finit par ne plus réfléchir du tout et les mouvements s'enchaînent tout seuls. Bon, 12 tentatives restantes. Est-ce que ça va passer? Apparemment, il a plus de chance que moi, hein. Hop, toujours pas. Qu'est-ce qu'il me dit l'autre? Bonjour, j'ai une petite question, vu que t'es pro forge magie. Un pro forge magie, ouais, tout de suite, ça me fait des petits compliments. Le boubou Lisa, il se vend bien ou pas? Bon, bah, il regardera ma vidéo, il aura sa réponse. Oui, ça se vend extrêmement bien, ce bouclier. C'est un bouclier génial, moi, je l'adore, ce bouclier. Je pourrais passer ma journée à l'EFM. Hop! Toujours pas, toujours pas. Comment ça, on n'a pas de PA, là? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Hop! Allez, 5. Ça peut encore le faire, hein, concrètement, là. Jusqu'à la dernière rune, j'y crois, moi. Jusqu'à la dernière. Bon, là, je commence à plus trop y croire, quand même. On va pas se mentir. Une dernière tentative. Et non, ça aurait été beau que ça passe sur la dernière, tiens. Est-ce qu'on arrête là? Du coup, j'ose plus terminer ma vidéo, je pense que je vais laisser... Oui, t'inquiète, je reviendrai, je me doute bien qu'il reviendra, le mec il va revenir avec 17 boucliers dans 30 minutes, ouais, un peu brisé des PA, je le vois venir. Je le vois venir. Ok, bon, bah, je fais pas de fin à la vidéo, du coup.